Alors, le titre de notre activité de ce soir s'intitulait « Les besoins de l'âme, un chemin de conscience ». Et donc, c'est sur cette réflexion des besoins de l'âme que nous allons travailler ce soir. Et je parle des chemins de conscience parce qu'il y a un sentier de l'âme. À vos souhaits. Tout ce qui vit croit et se développe. Si nous voyons un végétal, une plante, une fleur, il va y avoir une croissance, des nouveaux pétales, des nouvelles feuilles. Par quoi se manifeste la croissance de l'homme ? Par sa conscience. Par quoi se manifeste la croissance de la conscience ? Par le fait de devenir capable de voir des choses que nous ne voyons pas avant. Par le fait de devenir capable de discerner là où auparavant il y avait de la confusion. Par le fait de faire des liens. Je vous rappelle que l'étymologie du mot intelligence, c'est interligué, faire des liens. Donc par le fait de faire des liens vis-à-vis de choses qui auparavant nous paraissaient disjointes ou séparées. Donc oui, il y a un chemin de conscience et c'est ce chemin qui nous intéresse. Parce que, comme on vous l'a dit en introduction, la philosophie, nous pouvons la percevoir également comme une forme de vie, c'est-à-dire une pratique de l'intelligence. J'entends par là un acte de discernement pour triompher de la passion, c'est-à-dire faire des choix qui correspondent à l'exercice de notre pensée, et non pas faire des choix qui correspondent à nos emportements émotionnels ou passionnels et que nous regrettons ensuite. Donc oui, il y a un chemin qui va de la posture aveugle et passionnelle face aux circonstances de l'existence, jusqu'à un choix pensé, mûrement réfléchi et discernant. Et ceci n'est ni intello, ni spéculatif, mais éminemment pratique. Pratique parce que la philosophie, en tant qu'exercice, est fondamentalement l'exercice de l'examen de conscience, c'est-à-dire celle de la révision de nos choix et de nos jugements. C'est admettre que nous pouvons nous tromper, mais que nous pouvons examiner nos choix et apprendre de nos erreurs. Et mon ambition fondamentale au travers de la philosophie, c'est d'apprendre de mes erreurs. Non pas de ne pas me tromper, mais d'être capable de tirer l'expérience de ce que nous vivons. Le mot « expérience » a un double sens. Premier, basique, j'ai fait une expérience, j'ai vécu telle chose. Le second, beaucoup plus intéressant, j'ai tiré l'expérience de ce que j'ai vécu. À quoi voyons-nous que nous avons tiré l'expérience de ce que nous avons vécu ? Au fait que nous ne refaisons pas les mêmes erreurs. À quoi voyons-nous que cette démarche a été insuffisante ? Au fait que nous retombons dans les mêmes panneaux et que les mêmes illusions sous des formes différentes nous font chuter. Parce que donc la philosophie en tant que chemin est un chemin d'élévation de la conscience qui nous conduit au détachement. Au détachement, c'est-à-dire au renoncement. Le mot détachement aujourd'hui est employé à toutes les sauces. Aussi, je préfère le mot « renoncement » qui implique un acte de volonté et qui est plus cru, plus net. Le chemin philosophique implique le renoncement à ce qui est superficiel, à ce qui est illusoire, à ce que notre conscience a déjà reconnu comme étant inutile. Une des erreurs les plus lourdes et les plus conséquentes, c'est de refaire des choix dont nous savions auparavant leur inanité, parce qu'on était déjà
tomber dans ce panneau. Donc il y a une forme de détachement, les anciens auraient dit de purification, c'est-à-dire de détachement et de renoncement à ce qui est superflu, qui à un moment donné a fonctionné, mais qui aujourd'hui ne fonctionne plus. Parce qu'il nous faut donc choisir entre la profondeur et la surface, entre ce qui est essentiel et ce qui est futile, entre ce qui est de l'ordre de l'attachement et ce qui est de l'ordre du détachement. Il y a un présupposé à la sagesse des anciens, c'est que nous pouvons travailler en étant à la surface de nous-mêmes et que dans cette posture, nous allons être facilement prisonniers de l'illusion, des choses vaines et illusoires, et que si nous gagnons en profondeur vers notre propre centralité, nous allons pouvoir faire des choix mûrement réfléchis, davantage en lien avec l'être que nous sommes. Le choix est donc pour nous, en tant que philosophes, l'exercice de notre liberté. Et j'aime beaucoup, et je fais mienne, cette pensée que nos choix disent qui nous sommes. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas nous justifier de faire nos choix de manière inconsciente. Nous devons, philosophiquement parlant, assumer de choisir avec conscience. Pour tout cela, on peut dire que la philosophie jalonne, c'est-à-dire donne des repères, des critères sur un chemin de conscience que chacun peut parcourir pour satisfaire aux besoins de son âme. Philosopher, parcourir ce chemin, répondre aux besoins de l'âme, c'est donc davantage faire naître de nouvelles questions qu'apporter des réponses. Il y a une phrase d'un philosophe contemporain, chrétien, qui est décédé il y a une quinzaine d'années, je pense, qui s'appelle Gustave Thibon, qui dit que la sagesse inférieure se mesure au nombre de questions auxquelles elle répond, et que la sagesse supérieure se mesure au nombre de questions qu'elle supprime. Donc, essayons d'avancer dans cette démarche, de faire tomber certaines questions tout simplement parce qu'elles nous apparaissent vaines, pour en faire apparaître d'autres. Et si c'était cela, la philosophie, progresser vers des questionnements plus profonds, plus essentiels par rapport à nos propres vies, changer de questionnement plutôt que de chercher des réponses. Donc, alimenter notre quête de l'essentiel et avancer vers le mystère. Alors, ce thème des besoins de l'âme, il a été abordé par une philosophe qui s'appelle Simone Weil, pas la femme politique, la philosophe, qui est née en 1909 et décédée en 1943 à l'âge de 34 ans, et qui a fait un parcours tout à fait fulgurant, marquant dans l'histoire de la pensée. D'aucuns diront qu'elle fut peut-être une des philosophes les plus éclairantes du XXe siècle. En tous les cas, par-delà toute considération littéraire, j'ai un profond respect pour cette dame. Pour être parvenue par elle-même à synthétiser des réponses que la philosophie intemporelle d'autres traditions avait exprimées sous d'autres formes. Sa méditation sur le sens de l'attention, sur la pratique de la recherche philosophique, comme sa sensibilité à la souffrance de ceux qui l'entouraient, sont pour moi tout à fait exemplaires. Sa méditation sur les besoins de l'âme s'inscrit dans un ouvrage qui s'appelle L'Enracinement et qui est paru en 1949. Et ce qui est important, c'est que ce bouquin avait comme sous-titre « Prélude à une déclaration des devoirs envers l'être humain ». Cette grande dame réfléchissait à quels seraient les devoirs
à respecter pour que l'être humain puisse grandir. Parce que pour elle, ça n'avait pas de sens de parler de l'homme en disant qu'il a d'une part des droits et d'autre part des devoirs, puisque considéré en lui-même, l'homme a seulement des devoirs et surtout des devoirs envers lui-même. Le devoir de se respecter. Donc, ce questionnement sur les besoins de l'âme, ce questionnement sur le chemin de conscience, c'est un questionnement sur le fait de ne pas bafouer mon humanité, de me respecter en tant qu'homme avec un H majuscule par rapport à ce qu'il y a d'humain en moi. Et ceci nous pose donc la question de qu'est-ce qui me rend humain. Montaigne disait, philosopher, c'est apprendre à mourir. Et je crois que ce qui nous rend profondément humains, c'est d'apprendre à mourir, et c'est également philosopher. C'est-à-dire à assumer notre conscience de la finitude. Vous savez, c'est Lao Tzu qui disait « Les hommes sont fous, la seule certitude qu'ils aient est celle de leur mort, et pourtant ils vivent comme s'ils n'allaient jamais mourir. » Il y a quelque chose de ce qui fait notre maturité humaine qui est en lien avec ce binôme permanence-impermanence. Dans quelle mesure parvenons-nous à vivre avec la conscience de ce qui est permanent tout en assumant tout ce qui est impermanent? Il y a là, dans cet antagonisme, et vous allez voir que ce soir on va beaucoup parler de contradictions, une des contradictions essentielles qui maintient l'âme éveillée, qui nous rend humains et qui nous fait grandir. Elle dit, il y a une obligation envers tout être humain du simple fait qu'il est un être humain. Et c'est cela qui nous intéresse, c'est quelles sont nos obligations. Notre obligation éternelle, dit-elle, c'est de respecter ce qu'il y a d'humain en l'homme. Et je pense, sans avoir besoin de faire de longs détours par rapport à l'actualité, que nous sommes tous conscients qu'il y a quelque chose de malade dans notre société par le fait de bafouer ce qu'il y a d'humain en l'homme. Et alors elle va dire cette phrase, « La première étude qu'il faut faire, c'est celle des besoins qui sont à la vie de l'âme, ce que sont pour la vie du corps les besoins de nourriture, de sommeil et de chaleur. » Donc, le corps a des besoins. Quels seraient donc les besoins de l'âme? Bon, voilà le débat posé. Alors, qu'est-ce qu'elle dit? Il ne faut pas confondre les besoins avec les désirs. Elle dit, les caprices, les fantaisies, les vices, tout cela, nous pouvons nous en passer. L'homme a besoin non de riz ou de pommes de terre, mais de nourriture. Non de bois ou de charbon, mais de chauffage. Donc on distingue des choses annexes, le besoin de telle ou telle chose par rapport à ce qui est essentiel. Elle dit pour les besoins de l'homme, de l'âme, c'est pareil, il faut qu'on puisse distinguer ce qui est essentiel. Tout d'abord, il y a deux critères. Le premier critère, c'est que les besoins sont limités ainsi que les nourritures qui leur correspondent. Et elle donne cette image très belle. Un avare n'a jamais assez d'hommes, mais pour tout homme à qui on donne du pain à discrétion, vient un moment où on aura comblé sa faim. Un véritable besoin n'est jamais illimité. Un désir, lui, par contre, d'or ou de toute autre concupiscence, peut être une soif inextinguible, est permanente. La nourriture rassasie, que ce soit celle du corps ou celle de l'âme. Si on n'est jamais rassasié, alors c'est que ce n'était pas un besoin de l'âme, mais simplement un désir qui nous tourmentait. Ça, c'est le premier point. Il est possible d'apporter un aliment à l'âme qui la rassasie.
et donc qui lui donne la force et la vigueur nécessaires pour croître. Deuxième point, que je trouve extraordinaire dans sa formulation, c'est que les besoins de l'âme s'ordonnent par couple de contraires et doivent se combiner en un équilibre. Elle dit, l'homme a besoin de nourriture, mais il a aussi besoin d'un intervalle entre les repas. Il a besoin de chaleur, mais il a aussi besoin de fraîcheur. Il a besoin de repos, mais il a aussi besoin d'exercice. C'est-à-dire que nous avons des besoins antagonistes et contradictoires. Nous avons besoin, par exemple, de paix, parce que sans paix, nous serions dans une agitation permanente. Mais nous avons également besoin de conflits pour nous construire. Le fait tout simple que les choses ne se passent pas telles que nous le souhaitions est un conflit qui nous oblige à mobiliser notre volonté pour ne pas céder au découragement et nous construire intérieurement face à l'adversité. Donc on a besoin de paix, mais on a aussi besoin de conflit. On a besoin de présence. Parce que serions-nous si nous ne pouvions échanger avec les autres ? Mais si on est tout le temps entouré des autres, et vous voyez, on a également besoin de solitude. On a besoin en même temps de pouvoir partager avec les autres et en même temps de solitude. Pourquoi faudrait-il choisir entre l'un et l'autre ? Là, il y a déjà en soi une piste de réponse que je trouve exceptionnelle. Ne pas choisir, assumer la contradiction. Regardez, on va faire un exercice. Je suis en train de parler, vous m'écoutez, il y a du bruit dans la pièce, il y a des chaises qui craquent, il y a des petits bruits. Maintenant, faites l'exercice en même temps d'écouter votre silence. Vous entendez des bruits, il y a quelqu'un qui se mouche, il y a des chaises. Mais en même temps, allez, mettez la volonté, essayez d'écouter votre silence. On peut être conscient de l'intérieur et en même temps de l'extérieur. Ça s'appelle être pleinement présent. Et si j'arrive à être présent en écoutant mon silence et en écoutant ce que dit autrui, je suis en train de nourrir l'âme. Donc, c'est dans ces contradictions que les choses se jouent. Nous avons besoin d'explications, mais nous avons aussi besoin de mystères pour que notre conscience puisse croître. Comment avancer si tout était fini, explicable, limité, pédagogisé ? Nous avons aussi besoin de l'infini et du mystère. Nous avons besoin de raison. La philosophie nous demande de travailler avec la raison, avec le logos, pour pouvoir penser des arguments, construire notre pensée. Mais nous avons également besoin d'imagination, d'images, de mythos. Nous avons besoin des deux. Nous avons besoin d'être conscients de ce qui se passe à l'intérieur de notre vie. Mais nous avons besoin en même temps d'être conscient de notre mort. Donc, les besoins de l'âme vont toujours s'exprimer d'une manière contradictoire. C'est pour cela que, pour la pensée grecque classique, l'homme était à la charnière du point de vue de sa conscience ordinaire et de son âme entre deux mondes. En haut, comme vous le voyez dans ce schéma avec trois cercles, nous, le monde des pensées, le monde des idées élevées. En bas, soma, qui va donner somatique, le monde de l'action, le monde des peines et des plaisirs. Et au milieu, psyché, le lieu de l'âme, dans lequel se joue en permanence le choix de savoir dans quelle direction nous allons tourner notre regard. Le courage philosophique, c'est précisément celui de faire
le choix de la direction dans laquelle nous allons tourner notre regard. Plotin disait, l'âme devient ce qu'elle contemple. Et qui a dit que nous étions obligés par les circonstances de ne fixer le regard de l'âme que sur ce qui se passe à l'extérieur? De la même manière que vous avez écouté le silence tout en m'écoutant, regardez, vous avez un autre pouvoir philosophique, c'est de convoquer une image devant vos yeux et vous verrez en même temps l'image tout en me voyant. Nous pouvons donc relier en permanence l'interne et l'externe et assumer la contradiction de l'âme pour ne pas nous faire happer par le monde des sens. Notre chemin de conscience est donc une progression ascendante dans laquelle l'âme monte dans un chemin qu'on pourrait dire dialectique, c'est-à-dire que nous sommes en permanence face à des contradictions. Nous avons compris quelque chose, nous voulons le vivre. C'est important pour nous. Et demain, nous allons bosser, nous allons rencontrer notre famille, et là vont apparaître des sollicitations, des circonstances que nous ne savons pas comment relier aux besoins et à la conviction qui s'est fait jour à l'intérieur de nous. Il y a donc des contradictions qui apparaissent à l'intérieur de nous. Ce que je voudrais qu'on puisse entendre comme prologue, c'est que ces contradictions sont un terreau fertile. Et que le problème n'est pas dans notre vie philosophique les contradictions que nous rencontrons, mais que la contradiction est le chemin de notre progression. Pour le petit enfant, la contradiction est simple, être avec ses parents, pouvoir jouer au jeu qu'il aime, ou faire la pause, ou avoir son goûter, ou ne pas l'avoir. Et bon, mais lorsqu'on grandit en conscience, nous changeons de préoccupation, donc nous changeons de contradiction. Vous me suivez ? Avons-nous pour autant répondu, résolu la contradiction précédente ? Non. Il n'y a pas forcément, comme nous le penserions de manière trop raisonnable, de réponse à apporter aux contradictions auxquelles nous sommes confrontés. Regardez le petit enfant qui est à l'école primaire. Il a des préoccupations et il est confronté à des contradictions. Ça va ? Et le même, quelques années plus tard, ou peut-être même parfois un été plus tard, va rentrer au collège. Il y a plus d'élèves, plus de professeurs. Et au bout de 2-3 jours, il a de nouveaux problèmes, de nouvelles contradictions. A-t-il résolu celles qui étaient les siennes auparavant ? Non, il en a changé. De la même manière, le chemin philosophique nous exhorte à ne pas perdre trop de temps à essayer d'apporter des réponses aux contradictions qui nous taraudent, mais plutôt à essayer d'avancer pour cheminer vers des contradictions plus importantes, plus essentielles par rapport à notre parcours de vie. Bien. Donc, Simone Weil, dans ce petit opus, et j'espère que je vous ai donné envie de le lire, l'enracinement. Vous pouvez le télécharger en PDF, c'est gratuit sur Internet. Distingue trois besoins essentiels de l'âme. Je vais y revenir. L'ordre, la vérité et l'enracinement. Et un certain nombre d'autres couples antagonistes. On va essayer d'en voir trois. Je ne sais pas si on y arrivera. Liberté, obéissance, égalité, hiérarchie, honneur, châtiment. On va voir si on arrive à aller jusque-là. Sinon, on se verra une autre fois. Ce qui est important pour elle, c'est que cette progression pour répondre aux besoins essentiels de l'homme implique la prise en compte du sacré.
C'est-à-dire, non pas du religieux, pas du religieux, enlevez toute équivalence dans vos têtes entre sacré et religieux, du sacré comme ce qui donne du sens à l'existence humaine et qui transcende la dimension des circonstances de la vie de chacun. Donc elle dit, il est important que nous puissions mettre le sacré au centre, c'est-à-dire ce qui donne du sens pour chacun. Voilà ce qu'elle appelle sacré. Et elle dit, au centre du cœur humain, il y a l'aspiration à un bien absolu. Aspiration qui est toujours là et qui n'est jamais satisfaite par aucun objet du monde. Nous ne trouverons jamais des réponses à notre soif de bien absolu au regard des circonstances que nous pourrons vivre. Ce besoin de l'âme, de bien absolu, nous le trouverons au travers du propre cheminement de notre conscience. Alors, commençons, on a dit qu'il y avait trois essentiels, ordre, vérité et enracinement. Commençons par l'ordre, en tant que besoin de l'âme. Et essayons de faire un exercice philosophique, c'est-à-dire d'effacer comme sur un tableau nos préjugés. Aujourd'hui, quand on parle d'ordre, on entend manque de liberté, les forces de l'ordre, une méthode de pression, une forme de tyrannie, limite quelque chose de militariste, une éducation rigide, bon, j'en passe des meilleurs. L'ordre, d'un point de vue philosophique, est quelque chose de différent. Il est naturel et il va du physique jusqu'au spirituel. Pour Simone Weil, comme pour la plupart des philosophes classiques, l'ordre n'est pas une invention humaine. Il y a un ordre global à l'intérieur duquel nous nous insérons. Et elle dit, il nous appartient de dépasser, comme nous venons de le voir, les contradictions auxquelles nous sommes confrontés. L'ordre, je vais vous lire sa définition, est la nécessité intime de rendre compatibles et convergentes, les obligations apparemment contradictoires que nous imposent les circonstances. L'ordre est une synthèse que nous sommes en train de faire à l'intérieur de nous-mêmes. Elle dit, ce que nous appelons ordre, reprenant par là les propos des alchimistes médiévaux, ce que nous appelons ordre est la somme des qualités éminemment spirituelles et naturelles de l'âme, qui, comme le diamant, se différencie du simple carbone par l'ordonnancement parfait de ses structures. On se le dit d'une manière plus simple, vous prenez un morceau de charbon, il a exactement la même formule moléculaire que le diamant. L'un, le charbon, est noir, opaque et friable. L'autre, le diamant, est pur, dur, lumineux, transparent, il peut couper le verre. Qu'est-ce qui change entre les deux d'un point de vue physique? Les plans de clivage à l'intérieur de la matière, c'est-à-dire la façon dont sont configurés le réseau des atomes à l'intérieur de la matière. Il y a davantage d'ordre. Voilà ce qu'on entend par ordre dans une clé philosophique. Une configuration qui rend les choses moins opaques et qui permet le passage de la lumière, donc l'accès à une vérité plus haute. Et donc elle dit, quiconque agit de manière à augmenter cette incompatibilité est un facteur de désordre. Quiconque agit de manière à la diminuer est un facteur d'ordre. On se le refait. On est tous confrontés à des contradictions. Et l'ordre vivant, c'est de parvenir à une synthèse dans laquelle on assume d'une manière harmonieuse ces contradictions en nous. Ça va ? Donc, produire de l'ordre, c'est produire un équilibre qui nous permet de gérer les contradictions.
vous vivez des contradictions. Et parfois, auprès de certaines personnes ou dans certains endroits, ou après avoir lu certaines choses, écouté certaines choses, tout d'un coup, il vous semble trouver un point d'équilibre dans lequel vous voyez comment cheminer avec ces contradictions. Ça, c'est ce que Simone Veil appelle l'ordre. Et parfois, au regard des mêmes contradictions, tout d'un coup, nous voilà à terre, en train de nous lamenter, en nous demandant comment nous allons bien pouvoir faire pour gérer ces éléments qui nous paraissent irréconciliables. Ça, c'est le désordre. Donc, agir en étant un facteur d'ordre, c'est faire que notre présence puisse aider à cet équilibre et à cette harmonie. Et il y a des êtres qui, effectivement, par leur simple présence, créent de l'ordre. C'est-à-dire, aident à assumer les contradictions. Et d'autres, je pense que vous êtes rendu compte, qui font le contraire. Donc, voilà ce qu'on peut dire du besoin d'ordre. Quelqu'un qui produit de l'ordre accentue l'harmonie. Et elle nous dit, c'est pour ça que nous aimons la beauté du monde, parce que nous sentons derrière cette beauté qu'il y a quelque chose d'analogue à la sagesse. L'âme, dit Simone Veil, souffre lorsqu'elle se voit contrainte de négliger certaines obligations pour en accomplir d'autres. C'est-à-dire que créer socialement, politiquement, des conditions d'ordre pour elle, ce sont des conditions qui nous permettent d'assumer simultanément les différentes contradictions qu'il y a en nous. Nous avons besoin de gagner notre vie, mais nous avons besoin de donner du sens à ce que nous faisons. Ces deux besoins qui peuvent être antagonistes. Lorsque nous parvenons à les relier, nous produisons de l'ordre, et ceci devrait être un des buts de l'éducation et de la politique pour Simone Veil, puisque ce petit opus qu'elle a écrit se voulait comme une méditation pour une refondation sociale par rapport, bon, on est à la fin de la Seconde Guerre mondiale quand elle est en train d'écrire ça, par rapport au chaos auquel elle se voit confrontée. En clair, nous devons comprendre le besoin d'ordre comme un besoin d'harmonisation des contraires, un besoin de cohérence et d'inclusion. Plus on est en ordre, plus on parvient à intégrer des choses contradictoires, mais en fait complémentaires. L'ordre s'exprime dans tous les plans. Et pour qu'on puisse rendre ceci davantage compréhensible, il s'exprime par exemple dans le monde des émotions. Parvenir à mettre de l'ordre dans le monde des émotions nous conduit à la responsabilité. Je trouve que c'est intéressant puisque ça nous sort de la clé psychologique pour rentrer dans la clé philosophique. Pourquoi est-ce que l'ordre dans le monde des émotions nous conduit à la responsabilité? Parce que nous assumons une hiérarchie. Autre mot qui aujourd'hui fait peur, je vous rappelle l'étymologie du mot hiérarchie, hieros sacré, arché, commandement, pouvoir. Donc la hiérarchie, c'est le commandement ou le pouvoir de ce qui est sacré, ou pour le dire autrement, et le pouvoir de ce qui fait du sens pour nous. Donc, avoir un monde émotionnel en ordre, c'est avoir un monde émotionnel dans lequel nous avons une hiérarchie. C'est-à-dire dans lequel les choses se classent en ordre d'importance en fonction de ce qui a du sens. Ça, c'est le passage à la clé philosophique. Le plus important n'est pas ce qui me plaît le plus. Le plus important est ce qui a le plus de valeur pour moi en tant que sens. Là, on est dans l'éducation philosophique des sentiments. C'est magnifique. C'est-à-dire, on passe
du fait de choisir ce que l'on aime. Ah, vous me suivez ? Ah, ça, c'est génial, j'adore, j'y vais. Sachant que l'amour a ses raisons que la raison ignore, on peut faire des choix complètement aberrants, mais on aime, donc on y va. Donc ça, c'est choisir ce qui on aime. Et la proposition de la hiérarchie dans le monde des émotions, c'est savoir aimer, c'est-à-dire aimer ce qu'on choisit. C'est pas mal, ça. C'est-à-dire être capable de se convoquer à soi-même dans son propre sommet pour mettre de l'amour sur nos choix de manière à transcender la souffrance et les difficultés qu'on va avoir en le faisant. Je suis convaincu que c'est juste et en même temps, vous savez tous que ça prend un rebrousse-poil tout ce que nous entendons aujourd'hui, puisqu'il ne s'agit plus d'aller dans le sens simplement de ce qui nous est agréable, mais de ce que nous pensons juste. Donc, nous sommes, pour le faire rapidement, dans un dépassement de la passion, puisque la passion, par essence, est inexplicable et inexpliquée. Ainsi, le désordre dans le monde émotionnel va pouvoir peu à peu se vaincre par le détachement. C'est-à-dire, on fait l'exercice philosophique de ce qui fait du sens, avec notre raison, avec notre mental bien froid, et on se détache de ce qui ne fait pas sens, aussi agréable que cela soit. Pour faire le choix de ce qui a de la valeur, aussi difficile que cela soit. L'ordre dans le plan des idées, en appliquant cette même clé de la hiérarchie, c'est-à-dire l'ordre de ce qui fait sens, nous conduit à la conviction. C'est-à-dire, nous sortons d'une opinion volatile et superficielle pour mettre en haut de notre édifice mental nos convictions. Ce que nous avons éprouvé par notre propre vécu, les expériences que nous avons pu faire qui corroborent ce que nous avons pu lire dont nous avons pu parler ou qui nous a été enseigné. La conviction n'est pas une vue de l'esprit ou un vague sentiment issu de quelque chose dont j'aurais entendu parler. C'est une expérience, au sens où nous en avons parlé tout à l'heure, que j'ai tirée de ma propre vie. Ainsi, la pratique de l'ordre au niveau émotionnel et mental nous amène à vivre avec responsabilité d'un point de vue émotionnel et conviction d'un point de vue mental. Il est logique que cela ne soit point trop promu, puisqu'il devient difficile d'être manipulable ainsi. Et c'est pour nous, à Nouvelle Acropole, l'intérêt de la philosophie. Obliger chacun à se confronter à son propre jugement pour faire ses propres choix en étant libre. Quelques mots sur les deux autres besoins de l'âme, la vérité et l'enracinement. Déjà, vous rappelez que le mot vérité en grec se dit aletheia. Je ne sais pas si vous connaissez le mythe, mais le Léthé était ce fleuve dans lequel l'âme buvait avant de descendre sur terre, et c'était les eaux de l'oubli. Donc le Léthé, c'est le fleuve de l'oubli. Lorsque l'on oublie, lorsque l'on boit ses eaux, on oublie. Aletheia, ça veut dire absence d'oubli. A, préfixe privatif, Letheia. Donc la vérité, c'est l'absence d'oubli. Donc, pourquoi est-ce qu'elle nous dit que c'est le deuxième besoin de l'âme ? Parce que c'est garder conscience de ce qui pour nous est essentiel. Les choses que je regrette le plus dans ma vie sont liées au moment où parfois j'ai fait des choix sans tenir compte de ce que moi-même j'avais compris. Tout simplement parce que dans le moment où j'ai fait le choix, je l'avais oublié, je ne l'avais pas présent, disponible sur le devant de la conscience. Donc voilà ce qu'on appelle vérité au sens philosophique. Garder conscience
des enseignements de l'expérience auxquels nous-mêmes nous sommes parvenus. Pas de ce que nous a raconté Pierre, Paul ou Jacques ou notre éducation, non, notre propre expérience, c'est-à-dire ce qui est essentiel pour nous. Le garder en mémoire, ceci, c'est faire acte des vérités. Et la vérité, c'est aussi important, n'est pas quelque chose de quantitatif, mais de qualitatif. Elle dit, je la cite, c'est beau, « Un peu d'or pur vaut beaucoup d'or pur. » Il n'y a pas de quantité. « Un peu de vérité pure vaut autant que beaucoup de vérité pure. » Une statue grecque parfaite contient autant de beauté que deux statues grecques parfaites. Ce n'est pas quantitatif. C'est ça qui est beau par rapport à la vérité. Et donc, elle nous exhorte à essayer de retrouver ce qui est vrai, parce que ce qui est vrai est toujours vrai. Je n'ai pas le temps de le développer, mais le propre du vrai, c'est d'être toujours vrai. S'il y a un moment où il ne l'est plus, c'est qu'il était illusoire. Donc, le vrai est quelque chose de permanent et d'immuable. Et ce qu'elle nous propose, c'est de faire cet exercice de rester conscient de ce qui pour nous est vrai. Tout à l'heure, on avait fait l'exercice d'essayer d'écouter la salle et en même temps d'écouter son silence. Mais on pourrait faire un autre exercice. C'est vivre en essayant de rester conscient de ce qui est important. C'est possible. C'est ce que la philosophie essaye de dire dans sa dimension pratique, c'est que la conscience n'est pas unipolaire, si je puis dire, qu'on n'est pas obligé de voir notre conscience comme un cercle avec un point au centre et paf, on a conscience de ça et bingo, on n'a plus conscience du reste. On peut avoir conscience des choses qui sont dans l'existence, espace et temps, circonstances, et en même temps garder conscience de ce qui est de l'ordre de l'essentiel, c'est-à-dire permanent, immuable. Ainsi, on relie l'essence et l'existence. L'immuable, qui bouge jamais, et l'illusoire, qui bouge tout le temps. Mais il y a une pratique de la concentration à faire. Et c'est un effort auquel notre éducation ne nous a pas habitués. Enfin, troisièmement, pour clôturer, l'enracinement, dont elle nous dit qu'il est peut-être le besoin le plus important et le plus méconnu de l'âme humaine. Alors je vous lis une petite citation. « Un être humain a une racine par sa participation réelle, active et naturelle à l'exercice, à l'existence d'une collectivité qui conserve vivant certains trésors du passé et certains pressentiments de l'avenir. Bref, on apprend de l'appartenance au collectif. Nous avons des multiples racines qui sont en fonction de notre appartenance. Et le déracinement détruit la possibilité pour l'âme de se déployer. L'homme est un être de culture. Si, et c'est arrivé beaucoup de fois dans l'histoire récente, dans les deux derniers siècles de l'humanité, un enfant est laissé face à lui-même, face à la nature, et qu'il parvient à survivre sans éducation, c'est un petit animal. Passé un certain âge, s'il n'a pas appris à vocaliser, son larynx ne pourra même pas prononcer et articuler les syllabes. Un petit chat, quelques jours plus tard, est un petit chat en plein exercice de ses possessions de chat, de ses facultés de chat. La nature fait son ouvrage. L'instinct et l'hérédité vont prendre le relais et lui permettre de se positionner face à son environnement. Ce qui nous rend humains, et c'est le propos de l'enracinement, nous est légué par la culture. Donc, par notre
appartenance et par la transmission qui nous est faite. Et c'est pour elle toute l'importance de la philosophie. Il y a deux déracinements qui sont majeurs aujourd'hui. Le premier, c'est le déracinement de l'homme avec son âme, c'est-à-dire ne plus considérer qu'il n'y a que les focus extérieurs, comme je vous le montre dans cet exposé, et oublier que nous sommes en possibilité de connexion avec notre intériorité. Ce chemin qui nous demande du silence, de l'immobilité, du vide. Quand le petit vélo dans la tête s'arrête, qu'il n'y a plus de pensée, qu'on est simplement présent, on se réenracine dans notre silence, dans notre identité profonde. Peu importe le nom ou la manière dont vous souhaitez le conceptualiser, ça n'a pas la moindre importance. Mais on s'enracine dans ce qui est essentiel en nous, qui ne dépend pas des circonstances. Cet enracinement-là, aujourd'hui, est défait. C'est ça que nous explique Simone Veil. Et l'autre enracinement qui est important, c'est l'enracinement à l'intérieur du cosmos. C'est de se rappeler qu'on est sur une petite planète qui est en train de tourner sur elle-même tout en tournant autour du Soleil, à l'intérieur du grand ballet des étoiles, et de s'en sentir appartenir à quelque chose qui dépasse de manière immensément plus vaste la petite finitude de notre existence humaine. Et quand on se resitue à l'intérieur de tout cela, les perspectives des réponses par rapport à nos propres contradictions changent. On n'a pas le temps de faire trop d'exercices, mais vous savez, par exemple, dans les pratiques stoïciennes, vous pourrez les faire chez vous, vous regardez un de vos problèmes, et puis, mettons que vous êtes dans votre chambre, vous vous imaginez vous éloigner et vous regardez d'en haut du plafond votre chambre avec vous sur le lit ou sur le fauteuil. Puis vous voyez la maison, la rue, la ville, le pays. Et puis vous partez dans l'espace très loin. Vous voyez la petite boule bleue de la Terre, tout ça par la pratique de l'imagination. Vous tournez autour de vous, vous regardez les étoiles. Et ensuite par l'imagination, vous revenez. Et vous regardez de nouveau votre problème. Vous allez voir qu'il va se positionner au regard des yeux de votre conscience d'une manière distincte. Voilà ce qu'essayait de nous dire Simone Veil par la nécessité de l'enracinement, poser un autre regard sur nos préoccupations, puisque, comme je vous le rappelais tout à l'heure et comme le disait Plotin, l'âme devient ce qu'elle contemple. Je vous remercie, je vous propose qu'on s'arrête là et qu'on se mette donc par groupe. Donc je vous propose de synthétiser en trois phrases, c'est volontairement frustrant et ça va vous obliger à dialoguer entre vous, trois phrases, trois idées qui vous paraissent importantes et ensuite que chaque groupe, comme il va y avoir cinq ou six, pose une ou deux questions maximum. On verra si on arrive à répondre à tout, mais ça nous permettra d'échanger ensemble. C'est parti. Qu'est-ce que l'âme ? C'est premier niveau de réponse, cette conscience ordinaire qui cherche à relier le haut et le bas. Nous sommes face à des contradictions, on l'a vu toute la soirée, la première de ces contradictions, c'est d'avoir en nous une dimension céleste et une dimension terrestre. L'âme, en tant que principe conscient, c'est ce qui en nous cherche à relier les deux. Et dans les textes de l'Antiquité, on conçoit aussi l'âme avec un A majuscule comme la dimension spirituelle ou atemporelle qu'il y a en chacun,
C'est pour ça que la poétique du mot âme est sujette à ambiguïté, puisqu'elle peut signifier deux choses distinctes. Notre racine d'atemporalité, dans une clé poéétique, la racine spirituelle en chacun, ou, plus ordinairement, notre principe conscient qui cherche à relier les deux pôles de l'existence. Et c'est pour ça que la plupart du temps, dans quelles que soient les traditions, l'âme est représentée liée au symbole de l'oiseau, puisqu'elle vole, elle se déploie, elle monte et elle descend, et elle relie des plans de réalité distincts. Comment trouver la vérité, quand on doit aussi accepter sa contradiction? Je vais vous faire bosser. Qu'est-ce qu'il faut faire pour assumer ces contradictions? Les reconnaître, mais encore? Prendre du recul, quoi d'autre? Accepter que tout est parfait. Connaître nos origines. Notre? Être humble. Allez, des choses essayées plus opérationnelles et moins conceptuelles. Si je veux pouvoir accepter mes contradictions, il va faire falloir quoi? Pardon? Faire des choix, les vivre, les relier. Et pour les relier, il faut que je me situe comment? Au centre. Si j'assume les contradictions et que je relie donc les deux pôles complémentaires, je me situe au centre. Ça va? Il n'y a qu'un centre. Il n'y a qu'un centre. Si je me situe au centre de moi-même, je me situe au centre du monde. Il y a la vérité, comme tous les principes supérieurs, n'est pas quantitatif. Le centre non plus n'est pas quantitatif. Si je me situe au centre, je touche à quelque chose d'essentiel. Si je touche à l'essentiel, je connecte à une facette de la vérité. Disons que je touche à quelque chose de la vérité dans la mesure où je parviens réellement à me situer à mon centre. Donc dans cette démarche dialectique dans laquelle on va monter en assumant à chaque fois de nouveaux contradictoires, à chaque fois, puisque c'est un centre qui est sommet en même temps, à chaque fois je me rapproche de la vérité par le fait de me situer au centre et d'accepter les contradictions. Puisque le point, puisque c'est une autre des questions, le point à partir duquel j'assume les contradictions est au-dessus du mental ordinaire et de la raison. Pour la raison, quelque chose ne peut pas être vrai et faux en même temps, ça fait tilt. Donc, pour que je puisse accepter deux vérités contraires en même temps, il faut que je me situe au centre, dans un point qui est au-dessus du mental. L'arbre peut être dans beaucoup des traditions ésotériques, ou l'arbre inversé avec les racines dans le ciel. Oui? Oui? Ce qui est important, c'est que quand je touche le centre de tous les plans, en tourbillon. Donc je suis centré au niveau émotionnel, centré au niveau mental, etc., etc. Que faut-il hiérarchiser et comment faire concrètement pour hiérarchiser? Hiérarchiser implique, comme on l'a dit, que j'organise les choses par rapport à ce qui fait davantage sens. Donc, si je me positionne par rapport à une hiérarchisation, cela veut dire que j'ai une finalité. Parce que les choses font sens, donc tout en haut, il y a ce qui fait le plus de sens pour moi, qui est ma finalité. Donc, comment est-ce que je vais hiérarchiser mon monde émotionnel? Eh bien, il y a les états émotionnels qui m'éloignent de ma finalité, et bon, elles vont être en bas de ma hiérarchie intérieure, et il y a les états émotionnels qui me permettent de me rapprocher de ma finalité.
pareil d'un point de vue mental. Il y a les convictions supérieures auxquelles je suis arrivé qui me permettent d'aller dans le sens de mes choix les plus profonds. Et il y a les idées circulaires récurrentes qui m'éloignent de mes choix. Ça, c'est pour ce qui se passe à l'intérieur de moi. Mais pour ce qui se passe à l'extérieur, c'est pareil. Il y a les formes de vie qui me permettent d'aller dans le sens de ma hiérarchie intérieure, c'est-à-dire qui sont alignées avec mes finalités. Et il y a les formes de vie et les circonstances de vie qui m'éloignent de ce qui, pour moi, est essentiel. Donc, la hiérarchisation se fait par rapport à ma finalité. Donc, il y a un travail préalable pour se clarifier et sortir de la confusion. La vie philosophique implique... Les anciens utilisaient beaucoup l'image de la marine à voile, c'est-à-dire d'une embarcation. La vie, il y a des courants, il y a du vent, mais on ne va pas là où le vent nous mène. On va là où on a choisi d'aller, en se servant des vents et des courants, et parfois, s'il faut, en remontant contre le vent. Mais ça implique qu'on ait choisi où on veut aller. Et où on veut aller est fonction de nos priorités et de nos finalités, et pas des circonstances. Dans une clé philosophique, les circonstances vont simplement dire, comme dans le parcours d'Ulysse qui revient à Ithaque, si ça prend beaucoup de temps ou si c'est rapide. Mais pour l'âme qui fait des choix dans une clé philosophique, les circonstances ne déterminent pas la direction d'où nous allons, mais simplement le temps qu'il nous faudra pour arriver là où nous avons choisi d'aller. Oui, il n'y a pas de fatalité par rapport à ça. Alors, le renoncement amène-t-il au bonheur ? Alors, il faut clarifier ce qu'on entend par renoncement. Mais si on entend par renoncement le fait de renoncer à des attachements illusoires, qui sont illusoires non pas parce que telle église, telle religion, telle tradition m'a dit que c'était pas bien, mais qui sont illusoires parce que le fruit de mon expérience m'a montré que ces attachements-là avaient un goût amer et que je me réveillais le matin avec un goût de cendre dans la bouche. Donc, si je renonce à ce que l'expérience m'a montré être néfaste pour moi, je vais gagner en centralité. Et oui, si on veut parler des stoïciens ou des écoles de philosophie de l'Antiquité, l'ataraxie, c'est une forme d'équanimité par rapport à la vie qui est le bonheur du philosophe. Donc, en ce sens, le renoncement aux attachements illusoires, oui, nous conduit à une forme de bonheur. On a répondu en même temps au lien avec la philosophie des stoïciens. Quels sont les impacts de la modernité sur l'âme ? Le déracinement. Fondamentalement, l'oubli de la conscience de soi. Que dans la construction du moi, nous ayons besoin de l'altérité est certain. C'est-à-dire pour me construire, les petits enfants, il y a moi et il y a toi. Donc on s'est construit par la reconnaissance de l'altérité de l'autre. Okay. Mais ensuite, il faut parvenir à la conscience de qui nous sommes. La modernité nous a déracinés de cette conscience-là. Il ne reste plus que la conscience de l'existence, c'est-à-dire de ce qui se passe du point de vue des circonstances. Alors oui, c'est un truisme, c'est-à-dire on est abominablement matérialiste. C'est-à-dire que nous donnons plus d'importance à ce que nous touchons et à ce que nous voyons qu'à notre propre dignité. Pour moi, le désastre de la modernité, c'est la perte de la dignité. La dignité, c'est agir au nom du plus haut de ce que notre âme a touché. La dignité est radicalement opposée à une posture calculatrice dans laquelle on ferait deux colonnes avec les gains et ce qu'on peut perdre à faire tel ou tel choix. La dignité, c'est agir de manière noble,
par rapport à ce qui pour nous fait sens. Donc, nous sommes face à, du point de vue de la modernité, à une table rase. On n'agit pas par rapport à ce qui fait sens, mais on agit par rapport à l'intérêt que nous pouvons avoir ou tirer du choix que l'on va faire. On est déraciné puisque l'on se déracine de l'expérience de l'histoire avec un H majuscule. Regardez, imaginez que quelqu'un, malheureusement, soit atteint d'une maladie et devienne amnésique. Imaginez qu'il ne puisse plus se rappeler à partir de ce soir ce qu'il a fait. Il ne se rappelle que d'un mois. Et tout ce qu'il a fait avant, son enfance, ce qu'il a conduit, qu'il ait oublié. Vous diriez quoi de la possibilité de cette personne de construire un futur harmonieux pour elle et pour les autres? Ça va être chaud, hein? Ouais. Et nous, on fait quoi? Interrogez quelqu'un qui a 20 ans et demandez-lui l'histoire de la pensée pour comprendre comment on est arrivé à la représentation du monde qui est la nôtre aujourd'hui. On ferait un petit voyage dans le temps de 150 ans, on ne serait même pas capable d'expliquer qu'est-ce qu'était la France. D'un point de vue anthropologique, comme si on regardait un groupe de gens, là, comme ça, qu'est-ce qui les motivait, pourquoi ils faisaient tel choix, comment on en est arrivé à telle bascule, on a déraciné la mémoire. On a déraciné le lien avec l'intériorité et on a déraciné l'appartenance au cosmos. On a aboli toute forme de hiérarchie. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire plus? Je ne sais pas. C'est comme prendre une bombe atomique. La seule chose qui existe, c'est une résilience individuelle mais qui n'est plus transmis, ne parlons même pas de civilisation, par la culture. C'est une résilience individuelle, puisqu'il y a beaucoup d'individus en quête qui vont trouver par eux-mêmes et pour eux-mêmes des éléments de sens pour construire leur propre chemin. Et c'est ce qui nous rend optimistes. Mais la modernité en tant que culture, si vous me pardonnez ce mot d'associer modernité à culture, ben non. Donc, la conséquence pour l'âme, c'est l'oubli et la fascination face à l'illusoire et au multiple. C'est-à-dire, arriver à l'horreur absolue des vieux qui sont jeunes. Moi, ce qui me fait vibrer, c'est des jeunes qui sont vieux. C'est des gens qui sont jeunes dans leur chair et qui sont vieux dans leur sagesse, sans avoir besoin de faire toutes les erreurs pour pouvoir apprendre de l'expérience de leurs aînés et faire les bons choix le plus vite possible pour être utile à l'humanité. Ça, c'est être vieux en étant jeune. Et nous, on fait le contraire. On a des jeunes qui sont vieux. On a des vieux qui sont préoccupés du futile et de l'illusoire et qu'ensuite, on parque dans des EHPAD en leur donnant à manger sucré. L'abomination. Donc, on ne peut pas faire pire. On peut parler d'honneur dans le sens de l'aspiration de l'âme à vivre ce qu'elle a de plus haut. Dans l'honneur, il y a l'idée que pour respecter ma dignité, je suis prêt à un combat qui n'est pas dans la notion de dignité. Ce combat pour respecter la dignité qui est mienne, c'est mon honneur. Mais aller à la station de métro et demander à 100 personnes ce que veut dire le mot honneur, et après on pleure ensemble. Que penser de l'attitude de Vergès qui défendait l'humanité en chacun? Un cran plus haut. Je pense qu'il faut qu'on accepte la justice. Je vais répondre, puisque vous avez exemplarisé, par un autre exemple. Il y a des gens qui ont été condamnés et qui ont purgé leur peine de prison. Peut-être, par exemple, pour avoir tué un enfant,
Ils ont purgé leur peine de prison. C'est-à-dire la règle que la société tout entière leur avait donnée en compensation de leur erreur. Pour Simone Veil, comme un acte sacré des rédemptions, pour justement pouvoir réintégrer la communauté des hommes. Et aujourd'hui, on considère, à chaque fois qu'il s'agit de libérer une de ces personnes-là, apparaissent des tribunes dans les journaux et on agite l'émotivité bas de gamme pour dire que ça serait dangereux. Donc, ce qui est important, c'est de pouvoir conférer une dimension sacrée à la justice. Et que si quelqu'un fait une erreur, qu'il puisse être jugé. Et s'il est jugé, qu'il puisse avoir un défenseur pour pouvoir argumenter la pensée, c'est-à-dire faire des liens et comprendre. Et que si ensuite on a jugé, on puisse avoir le courage social de respecter le jugement qui a été posé. Sinon, il n'y a plus de pacte social, il y a simplement de la peur, de l'iniquité et le fait de mettre à l'abri les braves gens sans penser même à l'idée de justice. Et quand la justice, d'un point de vue métaphysique, déserte la société, il y a encore plus de violence. L'attention est-elle un chemin de l'enracinement? C'est une autre très belle question. Simone Veil a écrit des pages sublimes sur l'attention, dans laquelle elle explique que l'attention, elle était prof de philo. Ce que je vous conseille, si vous pouvez lire, c'est Cahiers de philosophie, c'est les prépas des cours qu'elle allait donner à ses élèves. Et dedans, elle explique en se moquant gentiment qu'il y en a certains qui serrent les mâchoires, qui prennent un air contracté et volontariste pour réfléchir. Et elle dit, non, l'attention, c'est pas cela. C'est comme être sur une montagne ou sur un promontoire et regarder sans le voir la plaine qui est en dessous en distinguant les différentes choses, en se situant au-dessus. Cette attention-là, c'est le point vers lequel nous choisissons de fixer notre conscience. C'est le point dont nous parlions tout à l'heure qui, lorsque nous nous situons au centre de nous-mêmes, est au-dessus des contradictions dans une clé intellectuelle. Donc, si nous situons notre conscience plus haut, alors oui, comme il est écrit, cela devient un chemin d'enracinement, puisque alors on s'enracine dans notre identité. Ça nous demande de casser le paradigme ou l'habitude, d'amener notre attention comme si notre regard était collé aux circonstances, vous comprenez, et d'assumer de voir les circonstances tout en continuant intérieurement à maintenir le regard de l'âme sur ce que nous avons choisi. Faut-il mourir à l'illusion pour vivre avec la vérité? Le propre de l'illusion, c'est qu'elle est multiple, elle est impermanente. Ça bouge tout le temps, ça change sans cesse. Donc lorsque je suis pris dans ce jeu de l'impermanent, de l'agitation et du mouvement, il n'y a pas de vérité parce qu'il n'y a pas de mémoire. Le problème n'est pas tant le multiple que la perte de conscience de l'un. Tout à l'heure, il y a quelqu'un qui a parlé de l'origine, de la conscience des origines. La question qui se pose par rapport à la vérité, c'est de garder conscience de l'unité, c'est-à-dire de l'origine, d'où on vient et d'où on va, c'est-à-dire de notre finalité. Si je suis dans l'illusion, je suis tout le temps en mouvement et donc je perds la vérité. Parce que à l'éteya, j'ai perdu la mémoire. En perdant la mémoire, je ne me souviens plus d'où je viens et où je vais. Et alors, je suis anxieux, je m'agite et il n'y a plus de vérité. Comment faire? Faites-vous la liaison entre le mental et l'âme. Prenons l'âme, cette fois-ci,
dans la clé supérieure. Il y a deux manières de le voir. La première, c'est de dire que nous pouvons vivre un état de conscience supérieur sans le mental. Par exemple, si vous vous concentrez sur votre respiration, que vous restez calme et centré et que vous parvenez l'espace d'un instant à arrêter l'activité mentale, vous ne faites pas pchit pour autant. Il y a une conscience, mais qui est au-delà du mental. Donc, nous pouvons vivre une expérience au-delà du mental et ensuite essayer de mettre des mots sur l'expérience qu'on a eue. Et là, on va le faire avec le mental. Là, on est parti du haut pour aller vers le bas. Mais si on va dans l'autre sens, c'est ce que dans les dialogues platoniciens, on appelle l'aporie. Socrate est en train de discuter. Alors, cher Glaucon, que penses-tu ? Et à la fin, au bout d'un nombre important de questions et réponses, l'interlocuteur est bloqué, aporie. Il n'y a plus rien à dire par rapport à la manière dont les choses se sont formulées et présentées à la conscience. C'est-à-dire que l'on comprend qu'on est face à une contradiction supérieure et qu'on ne peut pas aller plus loin. Donc, la philosophie nous permet de sortir de la confusion, de sortir de la passion, de faire ce chemin ascendant de contradiction en contradiction, mais elle nous amène à la porte du mystère. C'est-à-dire, il y a un moment donné où le mental ne peut plus aller, et là commence l'expérience de l'indicible ou du spirituel, comme chacun voudra le nommer. Donc, le lien entre le mental et l'âme, c'est que la pratique philosophique et l'exercice de la raison appliquée à nos vies nous amènent par le sentier ascendant de la philosophie aux portes de l'âme, compris cette fois-ci comme l'âme supérieure ou notre racine d'immortalité. Ou, si on veut le dire autrement, si on entend par l'âme notre conscience ordinaire, que la philosophie permet à notre âme de s'élever pour aller jusqu'aux portes du mystère, c'est-à-dire là où le mental ne lui est plus d'aucune utilité. Enfin, alors, une âme comble tous ses besoins et une âme est dans le mensonge et l'illusion, que lui arrive-t-il ? Si une âme est dans le mensonge et l'illusion, il lui arrive rien. La seule chose qui lui arrive, c'est qu'elle vit dans le non-sens. C'est-à-dire qu'elle a la pire condamnation qui puisse exister. La vie sert à rien. Si l'âme est dans l'illusion et le mensonge, la vie sert à rien. Disons, faire des échanges gazeux avec l'atmosphère, se reproduire, manger, mais du point de vue de ce qui nous fait homme, nada. La vie sert à rien. Et quand vous voyez la personne d'une année sur l'autre, la seule chose qui change, c'est quelques rides ou quelques kilos. Mais c'est toujours le même CD. Ça vous a jamais fait cette impression ? Douloureux. Quand on est face à cette circonstance, c'est l'âme est perdue. Elle n'est pas dans un chemin des consciences. Elle n'est pas perdue, elle n'est pas aux enfers, elle n'est pas au purgatoire. Non, simplement, la temporalité n'est plus un lieu d'expérience de la conscience. Donc, à quoi sert de vivre une incarnation humaine philosophiquement ? À rien. Et, à contrario, une âme comble tous ses besoins, que lui arrive-t-il ? L'âme ne comble jamais tous ses besoins, puisque combler tous ses besoins, c'est, comme on le disait tout à l'heure, être totalement revenu à l'origine et s'être réabsorbé dans l'unité ou dans le tout. En attendant, c'est une quête dans cette ascension dialectique vers le sommet où à chaque fois on se détache un peu plus, on passe d'une contradiction inférieure à une contradiction supérieure, on découvre de nouvelles choses, on fait de nouveaux liens, on renonce à des choses illusoires, on découvre des choses davantage merveilleuses qui, plus tard, nous apparaîtront illusoires aussi, etc., etc., jusqu'à ce que peu à peu,
l'âme se rapproche de l'unité dans laquelle elle se résorbera un jour. Oui ? Pourquoi ? Elle n'en cherchera pas d'autres. Comment dire ? Elle verra les mêmes besoins avec plus d'acuité sous une autre forme. Si on veut passer l'allégorie platonicienne de l'amour, au début, l'âme va être attirée par les corps ou par les choses grossières, et puis peu à peu, s'élevant des formes jusqu'aux idées, elle va toujours mue par ce besoin de l'amour, rentrer en quête de choses à chaque fois supérieures. Donc il en est, c'est pour ça qu'on parle, c'est comme le mont Hélicon, au sommet duquel se trouvaient les muses, qui va donner le terme hélicoïdal. Donc c'est un chemin spiralé, élévateur vers le centre. Donc à chaque fois, nous voyons autrement les mêmes besoins, avec des réponses qui sont à chaque fois plus précises, plus claires, et dans lesquelles les yeux de l'âme se dessillent pour voir avec davantage d'acuité la même chose. En fait, c'est une histoire, c'est une story dans laquelle c'est toujours la même chose, mais ça nous apparaît toujours différent, puisque à chaque tour, à chaque cycle, on a des illusions en moins. Allez, la dernière. Le mot ascète vient du grec askésis, qui veut dire exercice. Donc ce qu'il faut, c'est qu'on soit tous des ascètes, c'est-à-dire qu'on fasse tous une ascèse, c'est-à-dire qu'on pratique tous des exercices pour sortir de la dimension illusoire des choses. Et bon, mais chacun, par rapport à là où il est, atteindra un plafond. On va clôturer là. Si vous voulez une question tout en haut, les exercices pour se raciner, c'est ce que j'allais dire. Si vous voulez aller plus loin, y compris d'autres pratiques, parce que j'en ai donné trois ce soir pour les gourmands, ces conférences et ces ateliers s'inscrivent dans le cadre de nos ateliers philo, qui sont des cycles qui se déroulent pendant 4 à 5 mois de manière hebdomadaire. Et nous avons trois écoles sur Paris, celle-ci dans le 11e, une école dans le 5e arrondissement et une école dans le 15e. Et il se trouve que, hasard du calendrier, cette année, tous nos ateliers sont le mercredi. Donc, si vous êtes intéressé pour suivre la démarche, sachez que pour cette rentrée 2022, en tous les cas, c'est le mercredi et l'équipe d'accueil, ça tient à votre disposition. Quant à moi, j'espère vous revoir une prochaine fois. Merci.